Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui au golf de Bondoufle, un golf que je n'ai jamais fait. Donc je suis content de découvrir un nouveau golf de la région parisienne que j'ai pas eu l'occasion de jouer et même de vlogger. Donc on est le 31 mars, le jour où je tourne ce vlog. Il y a l'allocution de Macron pour savoir si on va être reconfiné ou pas. Donc je me suis dit, quitte à être reconfiné, autant en profiter pour faire quelques vlogs et pour pouvoir en profiter pendant le confinement à faire du montage. Bon, en fait, j'en sais rien. Le jour où la vidéo sortira, on vous saurait déjà les annonces, vous aurez déjà eu tout eu, mais là pour le moment on est un peu dans le flou là au moment où je le tourne, donc j'en profite, voilà, petit vlog en toute décontraction, le lendemain du vlog de Courson, donc toujours avec cette modif technique au niveau de la phase de club et du grip, donc on continue à s'entraîner sur le parcours, voir ce que ça donne. Enfin, en termes de sensations, c'était pas mal à Courson, même si le résultat n'a pas suivi. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça ira un peu mieux. Allez, bon bah je vous retrouve tout de suite sur le départ du 1. Allez, départ du 1. On commence par un par 5. Fait beau, on est royal. Par 5 de 475 mètres, absolument tout droit. Ça a l'air d'être plutôt large. Je vois pas de danger apparemment pour éviter le drive. Donc on va envoyer un cachot au milieu. Hein. Je pense que ça va être le shot. Allez. Ok, un peu à gauche. On va voir, ça devrait aller. Bon, je suis pas dans la meilleure des situations les gars. Mais je suis en jeu, je ne savais même pas qu'il y avait de l'eau à gauche, j'aurais pu me la taper, mais tout va bien, je n'arrive pas aussi fort, donc on est pas mal. Donc là, j'ai pas de shot pour le green, forcément, deuxième coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ben, on va jouer un fer 8, hein. Jouer un fer 8 en balle basse, se recentrer par rapport au bunker que vous voyez juste là, ça sera l'axe et ça nous laissera un petit coup de wedge en troisième coup. Voilà, petite balle basse, pas forcément bien touchée, mais elle est recentrée, je suis bien. Oh, je suis pas si mal, plein milieu fairway, j'ai juste la balle plus haute que les pieds, donc va falloir que je gère ce lie là. J'ai 123 mètres de drapeau, je pense un coup de pitch ça devrait faire l'affaire en termes de distance. Pas de vent aujourd'hui, un grand soleil, fait 26 degrés, franchement on est juste royal. Allez, petit coup de pitch, je pense que ça devrait être la canne. Ça peut être un très bon coup, si ça fait la distance. Ouais, je suis bien hein. Plutôt content, un petit peu à gauche du green. Bon voilà, petit coup de pitch plutôt pas mal, un peu court si on peut chipoter, mais bon, comme vous le savez, moi quand j'ai des greens je suis déjà content. Donc il me reste un peu en montée gauche droite, faut trouver le dosage. J'ai pas pu tester la roule des greens, enfin je suis parti à froid comme d'hab quoi, donc va falloir que je fasse gaffe en montée gauche droite, j'ai l'impression. Allez, on va se rapprocher. Je crois que j'ai très très mal lu la pente. Next hole. Ouais, j'étais persuadé qu'il y avait un gauche-droite en montée. Elle a pas du tout breaké la balle. Bon, je l'ai peut-être un peu poté avec trop de vitesse. Probablement. Ou alors, faut que je change de lunettes. Hein. Allez, on est sur le départ du 2. Par 4 de 345 mètres. Le drapeau est dans cet axe-là. Donc, il tourne légèrement dogleg gauche. Le fairway est plus ouvert à gauche. Piqué des 135 que vous voyez juste là. Je pense que je vais driver en fade, là où il y a la voiturette. Ça me semble un bon choix vu que le fairway tourne ensuite vers la droite. Qu'est-ce que je raconte? J'ai dit dogleg gauche? Non, c'est un dogleg droit. Je confonds ma droite et ma gauche, désolé. Donc je vais driver au niveau de la voiturette en fade. Ça me paraît un bon choix, ça m'ouvre le fairway sur la gauche, quoi. Bon, elle est parfaite, hein. Comme annoncé. Oh, ça fait du bien. Petit drive là qui fait du bien au moral. Allez, excellent coup de drive, il me reste que 114 mètres pour le drapeau, donc je suis vraiment pas mal. Il est fond de green, j'ai l'impression que faut finir un peu court pour avoir un putt en montée. Je vais jouer mon 50, ça me paraît le bon choix pour finir un poil court pour avoir me laisser un petit putt en montée. En vrai, j'en sais pas grand chose, mais vu la config que j'ai d'ici, c'est l'impression que j'ai. Donc ouais, 50, bien appuyé, au mieux ça sera hauteur de drapeau, mais je pense pas que ça soit long avec un 50 degrés. Plein axe drapeau, ça peut être un bon coup ça.
Arrête-toi. Oh, elle dégouline. Ouais, elle a kické hauteur de drapeau, elle a pas pris de spin à cause d'un toucher, ma foi, aléatoire. Donc je suis un peu long drapeau. Ça peut être franchement pas évident. Ça, il y a une cassure énorme à droite. J'ai peur de me prendre la dégoulinade si je la pote vraiment pas bien à gauche. Je vais m'appuyer franchement à gauche sans monter. Allez, il faut trouver le dosage. Arrête-toi. Petit peu trop fort. Pote retour est pas donné, hein. Elle pote pas évident, j'avais peur de poter faible et de me prendre la cassure sur la droite. Je l'ai un peu agressé, un petit peu trop. Bon allez, il y a encore ça pour sauver le par. Bonne boîte, tout va bien. Départ du 3, on est sur un par 4 assez petit, 328 mètres, absolument tout droit. J'ai l'impression que le bunker de green est à portée, enfin à portée. Il est à 240 d'après ce que j'ai pu jumeler. C'est quand même super large, hein. Je vois pas en fait pourquoi je driverais pas malgré que ça soit un petit par 4 parce qu'il n'y a aucun danger qui me saute aux yeux. Ou peut-être si je fais un énorme push dans ce buisson, je suis même pas sûr que ça soit à hauteur. Non, ça me paraît très très loin encore. Non, je dois être à 250 sur ces buissons, donc je pense que je vais driver, il va me rester un petit coup de wedge après. Ça me paraît la solution la plus adaptée. Je vois pas pourquoi je sécuriserais alors qu'on a l'opportunité d'agresser ce par 4. Ouais, on va faire ça. Allez, gros drive. Plein milieu, hein. J'aime bien ce petit fade là avec mon driver. Ça va pas me rester grand chose, hein. Allez, ça se passe plutôt pas mal ce début de partie. Écoutez, allez, on est pas mal. Il nous reste juste 62 mètres au drapeau. Je vais jouer mon 56, faire un petit 3 quarts tenu pour vraiment essayer de planter. Le drapeau est pas évident, hein. Il est sur un dôme, j'ai l'impression. Donc faut vraiment tomber à hauteur si on veut être bien. Sinon, ça risque d'être court et dégouliner en arrière. Allez, on va voir ça. Tout ça fait la distance. Ouais, c'est un peu court. Un tout petit peu court. Ah, du coup, vous voyez le petit dôme là dont je parlais. Elle a fini un petit peu dans la butte, la mienne. Il lui manquait 2 mètres pour être parfaite. Bon, écoutez, 60 mètres, on va pas chipoter. Ça nous laisse quand même un putt pour birdie. Sacrée montagne russe devant quand même. Tourne. Pas de pente. Écoutez, je commence vraiment à avoir des bonnes sensations dans le swing. Les changements techniques semblent un peu plus naturels. J'ai plus l'impression d'avoir une face complètement orientée à gauche à l'adresse. Le grip main droite me gêne un peu moins. En même temps, il n'y a pas de secret, hein. Faut jouer, c'est tout. Donc le corps s'habitue. Mais je sens que je suis sur la bonne voie. En espérant que ça continue comme ça. Allez, je vous retrouve au départ du 4. Ok, départ du 4 par 4 de 372 mètres. C'est beaucoup, hein, 372 mètres. Apparemment, le danger, ça a l'air d'être vraiment à gauche. Hein. Il y a une rangée d'arbres. Il y a les maisons sur le côté, donc faut pas foutre un quick hook. Donc, je crois que je vais continuer à jouer mon petit fade. Non, c'est con. Si je joue un fade et qu'elle reste à gauche, je suis mort. Non, je vais m'appuyer en push draw sur les collines que vous voyez là. Je vais m'ouvrir vraiment le fairway à droite pour éviter les conneries à gauche. Donc, drive en draw. Appuyez bien sur les collines de droite, il devrait nous rester une petite canne. Peut-être un faire 8 en deuxième coup ou faire 9, on va voir ce que ça donne. Oh là là, mon driving est revenu. Plein middle. Pas mal ça, je suis content. Bon écoutez, j'ai mis de bonne mawash plein middle avec le petit draw voulu, quoi. Donc il me reste 116 mètres au drapeau. Enfin, si mon jeu de drive et mon jeu de fer est là, plus rien ne va m'arrêter dans les prochains mois. Je vais pouvoir enfin peut-être rendre des scores en dessous de 10. Donc 116 mètres, écoutez, je pense que maintenant, enfin d'habitude je jouerais peut-être faire 9 voire pitch. Là, vu que j'ai un peu gagné en termes de distance avec la modification de loft à l'adresse, je pense qu'un 50 degrés ça devrait faire le taf. Donc je suis aussi en mode étalonnage avec vous. Comme vous avez pu voir en yardage, c'est pas la folie. On va voir ce que ça donne avec un coup de 50, mais je le sens bien là. Pas de vent, il fait beau, grand soleil, et puis je suis en forme en fait, donc feu quoi. Plein axe, enfin non, c'est pas plein axe, c'est à droite un petit peu. Ça a l'air d'être long. Bon, le contact était pas bijou,
on va voir ça. Ma foi, il était un peu clean edge, j'avoue. Donc, risque de pas avoir pris énorme de spin. Peut-être un petit peu derrière le green. On va voir si j'ai une approche à réaliser ou si je suis sur le green derrière. Allez, go! Bon, non, en fait, je suis vraiment bien. Hein. Je dois avoir un putt de 5 mètres. Il y a la petite butte, en fait, qui m'empêchait de voir la balle où elle était sur le green. Donc, écoutez, ça fait du bien de pas avoir des balles à gauche. C'est le kiff, quoi. J'ai l'impression d'être guéri d'une maladie qui me suivait depuis quelques mois, voire peut-être un an. Donc voilà, gros kiff, en espérant que ça continue comme ça. Allez, il y a un putt pour birdie. Hein. Oula, je pensais pas que ça penchait autant. Je me suis fait avoir, là. Ouais, putain, le dévers, je l'ai pas vu autant marqué. Hein. Départ du 5, c'est quoi ce par 3? C'est quoi ce green, les gars, surtout? Waouh, le drapeau est planqué à gauche, 160 mètres au drapeau. Je pense qu'il y a beaucoup moins sur l'entrée du green à droite. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va le sécuriser à droite pour choper un bout de green et on va la jouer en draw avec un fair 7. Je pense qu'il y a moyen que ça revienne un petit peu à hauteur. Ouais, je pense fair 7 en draw, quoi. Fair 7 en draw assuré sur la droite. Et si elle revient sur le drapeau, ça serait pas mal. Ouais, j'ai sécurisé bien la droite quand même. Hein. Ouais, bah, sur le green à droite. J'avoue qu'il m'a intimidé ce trou là. J'ai pas osé jouer plein d'axes drapeau. Parce que le drapeau est vraiment planqué là-bas. J'ai sécurisé à mort à droite. Écoutez, j'ai un bout de green, hein, mais le putt risque d'être un peu compliqué. Bah, écoutez, faire 7 plutôt solide en vrai. Même si le contact n'était pas folichon encore une fois. Je fais des légères clinettes, mais écoutez, comme on sait, c'est sur les plus mauvais coups qu'on arrivera à mieux scorer. Donc c'est des balles qu'on prend. Hein. Par contre, là, j'ai un putt de l'enfer. Ça descend énorme, ça se voit pas trop la caméra. Il va falloir que je m'appuie énormément. Je sais même pas comment il la pente, faut que j'aille voir de derrière. J'ai l'impression qu'il est gauche-droite d'ici. Je vais aller quand même checker ça. Ouais, non, ça penche par là. Hein. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Va falloir se tromper de monde quand même. Non, c'est droite-gauche, putain. Oh là là, j'ai eu peur de la pente. Ah, j'ai eu tellement peur de la pente que j'ai vraiment caressé la balle, quoi. Mais pas assez. Bon, bah, c'est pas donné, ça. Hein. C'est pas donné du tout. Allez. C'est des potes importants qu'il faut sauver, ça, pour le par. Allez. Yes. Solide. Pote franc, tout droit. J'ai pas hésité, je suis content. Allez, départ du 6. On est sur un petit par 4. Handicap 18 du parcours, donc le plus facile. Il est absolument tout droit. 288 mètres indiqué sur la carte. Bah ouais, hein. Si, enfin, j'ai vu qu'il n'y avait aucun danger apparemment. Donc il faut juste avoiner et se laisser une petite canne en retour. Donc on va envoyer le drive. Ça s'ouvre ou pas à gauche? Je m'en rends pas compte. Ouais, ça s'ouvre bien à gauche aussi. À droite aussi. Il n'y a pas de raison de ne pas jouer drive. Le piqué des 135, il est vraiment juste là. Après le départ des rouges, donc il est pas loin. Donc si on met un gros drive, il y a moyen d'avoir un petit wedge encore une fois en deuxième shot. Ce qui peut être intéressant pour planter le drapeau. Allez, gros drive, c'est le moment. Bah, c'est un trait, hein. Plein milieu, quoi. Allez. J'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver aujourd'hui. Ce genre de bonjour, faut en profiter. J'ai l'impression que c'est un jour avec les amis. Enfin, je suis devant la balle, je me pose plus trop de questions techniques ou quoi que ce soit. Je me sens vraiment bien, pourvu que ça dure. Mais franchement là je suis serein, quoi, je suis en raccord avec mon mental. Enfin, j'ai pas de perturbation mentale en me disant que je vais mal jouer, blablabla ou quoi que ce soit. Je suis juste serein, j'ai l'impression d'être un peu dans une zone de confort aujourd'hui. Donc faut espérer que ça dure. Bon voilà, je suis juste là, le drapeau est là, il est qu'à 54 mètres. Je vais prendre mon 56, coup de wedge, planté au drapeau. Si je fais le même que celui de tout à l'heure, je pense que je serai pas mal. À cette distance, il y a vraiment moyen de planter. Allez, faut être solide là. Aïe aïe aïe, ah, c'est un peu gras, hein. Je l'ai gratté, quoi. C'est un très mauvais coup de wedge, ça. Un peu gras, j'ai senti une décélération. Je suis même pas sur le green, hein. Mais ouais, j'ai pas joué le coup. Là, j'ai vraiment senti que j'ai pas joué le coup, donc il va me rester quand même un putt intéressant en descente. Vous voyez, je suis juste là. J'ai pas le droit de rater ce genre de coup à cette distance, quand même, quoi. Faire un drive pour ensuite, un très bon drive pour ensuite me retrouver là, c'est complètement débile. J'ai l'impression que le putt est en descente.
de droite à gauche. Allez, faut se rapprocher le plus, on assure le par. Ouais, je vais putter, hein. Je pense que c'est le coup le plus safe quand même pour se rapprocher là. Green en descente. Je préfère assurer, je vais la jouer bien à droite. Il en manque, hein. Il en manque un peu. Je me le donne pas en plus. Quand même, d'me rester un 90 cm, mais c'est pas donné ça. Solide. Quand même pas passer loin de la correctionnelle sur un trou facile comme ça, à me retrouver à 54 mètres et me faire un peu de frayeur à 90 cm. C'est pas bien joué de ma part. Hein. Bon, on sauve les meubles sur celui-là. Passons au prochain. Départ du 7, on est sur un par 5 de 473 mètres. Dog leg gauche. Écoutez, il y a le piquet des 135 qui est juste derrière cette rangée d'arbres. Il me titille pour couper par là. Je sais pas si les joueurs de club ou. Enfin, qui connaissent le parcours, est-ce que ça se coupe par là? Ça a l'air hein, de pouvoir se couper par là. Je vais pas le faire de toute manière, mais je pense que les bons joueurs peuvent le faire. Vu que je connais pas le parcours, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer dans la rangée de ces sapins-là. Et voilà, quoi. On va faire ça avec un draw pour épouser la courbe du fairway. Au pire, elle restera en push un peu à droite. Il n'y aura rien de dramatique. Au pire, si elle finit à droite, je me rallonge juste le trou. Hein. Bon, c'est un par 5, c'est pas la mort. Donc on va jouer cet arbre là, ce gros sapin en draw. Et let's go quoi. On voit une grosse mawash dans cet arbre là. Elle fait parfaitement ce que je lui ai demandé. C'est bien quand ça se passe comme ça le golf. Ah non, j'avais pas vu qu'il y avait des bunkers sur la gauche. Donc à mon avis, l'arbre, enfin la ligne agressive que j'ai indiquée par la gauche, c'est quand même chaud. Hein. Ça a pas l'air de se couper quand même. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est jouer ce que j'ai fait, quoi. Draw au niveau de l'arbre. Donc là, je suis plein milieu fairway. Il va nous rester peut-être un deuxième coup pour choper le green. Il va pas nous rester normalement énormément de distance. Peut-être 200 mètres. On va voir ça. Bon, écoutez, je suis plein milieu, quoi. Il se passe que dalle. Il me reste 200 mètres pile poil au drapeau. Ah, vous savez ce qui va se passer, hein. Je vais devoir aller le chercher. Donc bon, je vais taper un coup d'hybride, hein. Je pense que ça devrait être la canne pour aller le choper, j'ai un léger vent portant. Pire si c'est un peu court, c'est pas grave, on est sur un par 5, donc on va faire un bon coup d'hybride, solide, pour essayer d'aller choper le green. Allez. Ouais, il s'échappe un peu à droite, je devrais être dans le bunker. Rien de dramatique. Ah non, elle est à hauteur. À droite, elle a kické. Je vais avoir une petite approche. Et comme vous avez pu le voir, Shot Tracer, elle s'est un peu échappée en fade. Elle a fait à distance. Je crois qu'elle a pris un putt green, mais ensuite elle s'est échappée avec le side spin sur la droite. Bon, je devrais être à hauteur avec une petite approche roulée à réaliser. Je suis même un peu long au final. Elle a pris le green et elle est sortie. Bon, écoutez, faut juste que je fasse une bonne approche. Hein. Petite approche école, je suis dans le rough, plutôt bien laillé. Je suis même très très bien laillé en fait. Donc je vais prendre mon wedge, 50-50 posé en trait de green, ça roule le reste du temps. Ah oh ouais, franchement ça ferait du bien un petit birdie là. Allez, approche putt. Oh, ça va être court je pense. Hein. C'est court, c'est dommage de rater une approche. Bon ok, allez j'ai quand même un putt pour birdie. C'est un peu accroché le sol avant. Bon écoutez, je suis quand même sur le green, je dois me respecter un putt de 3 mètres pour... Pour enquiller le bird, ça peut se rentrer, allez. Trois à gauche, dommage. Départ du 8, on est sur un sacré par 3, hein. 183 mètres, quand même assez long. Ah, pas de danger, green qui s'ouvre vachement sur la gauche, le drapeau est planqué plutôt à droite, j'ai l'impression. Je vais prendre un fer 4, fer 4 en fade sur la gauche. Si elle revient sur le drapeau, c'est bien, sinon je serai sur le green à gauche. En toute logique, donc allez, coup de fer 4 solide. C'est le fade, c'est pas mal. Par contre, j'ai très très mal touché. Basse dans la face, elle fait pas du tout la distance. Bon, alors une approche à réaliser. Elle fait la trajectoire voulue, mais qu'est-ce que je l'ai mal prise. C'était vraiment basse dans la face, limite pointe. Talon, je veux dire. Donc, je suis pas sur le green, hein. J'aurai une approche putt à faire. Je me retrouve à l'entrée du green. La pose juste là, ça a l'air d'être tout droit, faut que je la pose un peu plus 50-50 encore avec un wedge hein, je pense, et que ça roule.
Je vais faire ça, ouais, je pense. Allez, prendre mon 56, va falloir être solide sur cette approche là. Ah, mais c'est court. Je la joue pas, quoi. J'ose pas la jouer, je sens que j'ai une décélération à l'impact. Ah, c'est dommage. Comme vous pouvez voir, le dosage est très mauvais. Hein. J'ose pas jouer le shot, je sens que je suis pas engagé. Donc là, je vais me faire punir par un bogey probablement. Allez, on peut essayer quand même de le rentrer. Oh, ça peut y aller. Ah, dégouline la fin, dommage. Bon bah, petit bogey, écoutez, je le mérite celui-là. Hein. Deux approches de suite, très approximatives. C'est dommage, ça me coûte un bogey. Allez, on va se retrouver au départ du 9 pour finir sur l'allée. Donc, départ du 9, on est sur un gros par 4. Hein. Celui-là, il a l'air de piquer, dogleg droit. Le drapeau est à droite, hein, on le voit pas d'ici. Je pense qu'il faut jouer là où il y a les voitures, où il y a la voiturette, parce que 394 avec un driver, il faut quand même envoyer une sacrée cartouche pour se laisser un fer 7 ou un fer 8 en deuxième coup. Donc on va jouer plein axe de la voiturette avec un léger fade que j'aime bien aujourd'hui. Donc allez, c'est parti. Ça va être pas mal, je pense. Hein. C'est le fade, peut-être un peu bord droit. Bon, il se passe rien, quoi. Bon, un petit peu dans le rough du coup, il me reste 142 mètres au drapeau. Je pense que je vais jouer fer 8. Hein. Je suis plutôt pas mal laillé. Ouais, c'est pas le meilleur des lies, j'aurais pu avoir un lie un peu plus porté, mais c'est pas non plus horrible. Je pense que fer 8, ça devrait être la canne pour choper le drapeau. Il n'y a pas de vent, normalement sur un truc très neutre. Donc fer 8 devrait faire l'affaire. Le faire, ça a l'air d'être fort. Ah ouais, c'est fort. Tact est très solide, mais sortie très très forte du club. J'ai l'impression d'avoir flyé le green bien derrière. Putain, mais je me vois pas jouer en fer 9, quoi. Va falloir que je m'habitue hein, à cette nouvelle façon de jouer. Donc va falloir que je commence à sous-clober un petit peu. Ouais, je suis juste là, drapeau est là. Oh là là, mais j'ai fait quoi là avec le fer 8? J'ai mis un avion encore. Faut vraiment que je revoie mes yardage. Je commence à prendre un club de moins à chaque fois, je pense, avec le beau temps et tout aussi, ça joue pas mal. Bon écoutez, le green est complètement en descente. Je crois que je vais prendre un pitch. Je vais la jouer dans la butte, elle va rouler jusqu'au green. Un petit peu à gauche, ça devrait faire le taf. Allez, roule. Roule ma cocotte. Vas-y, prends la pente. Encore. Ma foi, c'est une très belle approche, j'en suis content. L'approche était vraiment en descente, hein, avec une grosse pente. Bon, le putt est pas donné foncièrement, mais j'en suis quand même satisfait. Allez, faut le boiter celui-là. C'est solide. Bon, écoutez, quoi vous dire de mon jeu, à part que j'en suis très satisfait, je suis content, ça commence à rentrer. Après les vlogs catastrophes que j'ai pu vous montrer, je suis quand même content de vous montrer que je sais un peu jouer au golf quand même. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu égocentrique, faut se l'avouer. On fait des vidéos sur YouTube, c'est aussi pour montrer son niveau de jeu. Et je suis content de pouvoir vous proposer un peu plus de spectacle que sur les derniers vlogs. Donc voilà, j'espère que ça va continuer sur cette lancée et que le retour va se passer aussi bien que l'aller. Donc petite erreur sur les approches au 8 et au 7, où j'aurais peut-être pu faire un petit birdie sur le par 5 et sauver le bogey sur le par 3. Mais c'est la vie, c'est le golf, je m'en sors plutôt pas mal. Très bonne allée, très bon jeu, très bon ressenti aujourd'hui, donc j'en suis extrêmement content. Et bah, tout ce que j'ai à vous dire, c'est à tout de suite pour la prochaine partie. Donc je vous fais des gros bisous et à tout de suite. Allez, ciao!